280 euros, 165 euros, 310 euros, 270 euros. Des notifications de paiement PayPal qui tombent tous les jours, simplement pour faire quelque chose que tu fais déjà tous les jours dans ton quotidien, lire. Dans cette vidéo, je dévoile une méthode efficace qui va te permettre de gagner plusieurs centaines d'euros tous les jours, simplement en lisant du texte. Et non, nous n'allons pas utiliser ce site, qui n'est rien de plus qu'un gros scam et une perte de temps totale. Moi, je parle d'un vrai business que tu vas pouvoir mettre en place pour gagner de l'argent sur le long terme. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je dévoile une méthode ultra puissante et connue par peu de personnes. Mais comme la plupart d'entre vous êtes des fidèles abonnés, j'ai décidé de partager cette méthode avec vous pour que vous puissiez en profiter un maximum avant qu'il ne soit trop tard. Alors un conseil, mets-toi à l'aise, sors les pop-corns et sois bien attentif durant ces 10 prochaines minutes car ça va secouer. Alors commençons par les avantages. Pour appliquer cette méthode, aucun investissement n'est nécessaire car cette stratégie est 100% gratuite. Tout ce dont tu as besoin pour que cette méthode fonctionne et que tu puisses gagner de l'argent, c'est un téléphone portable ou un ordinateur et une connexion internet. Et à la fin de cette vidéo, je dévoilerai des astuces pour décupler le potentiel de cette méthode pour que tu puisses gagner encore plus d'argent. Alors vu que je sais que tu es curieux, eh bien sans plus attendre, commençons. Alors une fois de plus, sois bien attentif, il s'agit d'une stratégie absolument unique dans son genre et très efficace, mais qui est à la fois très facile à mettre en place, même pour les débutants qui n'ont absolument pas d'expérience ou de compétences particulières. Et si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci, déjà fais un gros pouce bleu vers le haut et n'oublie pas de partager tes idées et tes suggestions dans les commentaires. Donc la méthode va consister à se créer un emploi en ligne, ou autrement dit un service en ligne. Quelque chose qui est recherché par des milliers de gens tous les jours sur internet. Donc ce qu'on veut, c'est un job facile et rapide à accomplir afin de pouvoir le faire plusieurs fois dans une même journée et par conséquent gagner un maximum d'argent. Et surtout quelque chose qui peut être fait par quasiment n'importe qui, sans compétences et sans expérience. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Donc maintenant, je vais aller sur Google et je vais taper dans la barre de recherche « Comment améliorer votre forme physique ?» Et bien évidemment, c'est un exemple. Et du coup, bien évidemment, nous avons dans les résultats plein d'articles qui sont, qui sont pertinents à la recherche que nous avons fait sur Google, c'est-à-dire « Comment améliorer votre forme physique ?» Et là, comme tu peux voir, nous avons environ 48 500 000 résultats, ce qui est absolument gigantesque. Alors pourquoi c'est important? Tu vas le savoir bientôt, tu vas comprendre pourquoi bientôt, mais sache que le fait qu'il y ait plus de 48 millions de résultats, c'est quelque chose de très bien. Et là, je parle seulement de ce mot-clé, seulement de cette recherche. Donc le potentiel est littéralement quasiment infini. Et comme je l'ai dit, cette méthode va consister à gagner de l'argent simplement en lisant du texte, ou presque. Alors, il s'agit bien évidemment d'articles, mais pas juste d'articles. Il s'agit aussi de scripts, de vidéos YouTube, des scripts de formation, des devoirs à la maison pour les étudiants, etc., etc. Et tu peux tirer avantage de ça pour gagner beaucoup d'argent, sans avoir à investir un seul centime, et depuis n'importe où dans le monde. Que tu sois en France, en Afrique, au Canada, en Australie, au Moyen-Orient, etc., peu importe où tu es dans le monde, tu peux appliquer cette méthode. Tout ce dont tu as besoin, c'est un ordinateur ou un téléphone portable et une connexion internet. C'est tout. Alors petite parenthèse, il est possible que tu sois tombé sur des blogs ou sur des vidéos sur YouTube qui parlent de ce site, prétendant que tu vas pouvoir gagner de l'argent facilement en accomplissant des tâches telles que faire des traductions, de la lecture, etc. Enfin, peu importe. Alors si tu ne veux pas perdre ton temps, je te conseille fortement d'oublier ce site. Et ce n'est pas juste moi qui le dis. Alors déjà, pour commencer, non seulement le site est seulement en anglais, ce qui veut dire que les tâches à accomplir sur ce site, seront uniquement en anglais. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il faut payer pour être approuvé. Donc une fois que tu essaies de créer un compte, etc., pour être approuvé, il faut payer de l'argent. Et les tâches sont quasiment inexistantes. Et en plus de ça, il semblerait qu'ils ne payent même pas. Et si on va faire un petit tour sur Trustpilot, comme tu peux voir, les reviews sont vraiment très mauvaises. Donc, un conseil, comme je te l'ai dit, évite ce site si tu ne veux pas perdre ton temps, voire même te faire arnaquer.
Donc dans cette vidéo, je ne vais certainement pas parler de ce site. Non, dans cette vidéo, tu as le droit à une vraie méthode qui fonctionne et qui rapporte de l'argent pour de vrai. Alors comment tirer avantage de ça? De quoi s'agit-il, tu dois te demander? Eh bien c'est simple, toutes ces personnes qui rédigent des articles ou n'importe quel autre type de texte ont besoin de le faire de manière propre, professionnelle et surtout sans faute d'orthographe. Donc je suppose que tu l'as compris, eh bien tu vas proposer tes services pour corriger des fautes d'orthographe. Et tu seras très bien payé pour ça. Et non, nous n'allons pas utiliser des sites merguez qui proposent des missions et ne payent même pas. Alors bien évidemment, eh bien je te vois déjà venir en te disant « Ah oui, mais moi, eh bien, je suis vraiment nul en français, je fais moi-même beaucoup de fautes d'orthographe, donc comment je vais pouvoir corriger les fautes d'orthographe des autres ?» Eh bien, surtout ne t'inquiète pas, car il existe une solution très simple, facile et gratuite pour remédier à ce petit souci si tu es complètement nul en français. En clair, je vais te montrer comment tu vas pouvoir corriger les fautes d'orthographe comme un pro, même si tu n'es pas un pro. Alors comment faire ça? Eh bien c'est très simple, je vais te montrer un petit exemple pour que tu comprennes facilement. Alors, déjà, pour l'exemple de cette vidéo, eh bien j'ai récupéré le texte d'un des articles, donc un article « Comment améliorer votre forme physique ?» Eh bien, j'ai récupéré le texte de cet article et je l'ai mis tout simplement sur un document de mon Google Docs. Donc, si je vais maintenant sur Google Docs, ici, eh bien là, on peut voir que j'ai tout simplement copié-collé le texte de cet article. Alors surtout, ne fais pas ça, hein, parce que c'est... Eh bien, normalement, c'est pas légal. Mais bon, c'est juste pour te montrer un petit exemple dans cette vidéo. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser ou de publier. Rien de tout ça. Alors déjà, pour corriger les fautes d'orthographe, il y a plusieurs méthodes. Ce que je conseille de faire, la meilleure chose à faire, eh bien, c'est tout simplement récupérer le texte que tu es censé corriger et ensuite le mettre sur Google Docs. Donc tu crées un document sur ton Google Docs, sur ton Drive, c'est gratuit. Hein. Et pourquoi c'est super? Eh bien tout simplement parce que Google va faire le boulot à ta place. Alors là, si on regarde le texte, eh bien on peut voir qu'il y a certains mots qui sont en rouge et ces mots qui sont en rouge, eh bien ce sont des mots qui ont des fautes d'orthographe. Alors je l'ai fait exprès, hein. Ce sont des mots qui ont des fautes d'orthographe exprès pour te montrer l'exemple. Donc par exemple, nous avons ici, pour augmenter son endurance et sa résistance, il faut définir un programme d'entraînement sportif bien précis. Et là, si je mets la souris dessus, eh bien tu peux voir que Google va suggérer le mot, mais en corriger, c'est-à-dire corriger la faute d'orthographe. Comme tu peux voir ici, eh bien nous n'avons pas le S. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici, et le mot a été corrigé. Ensuite, nous avons ici en dessous, mettez au point un programme qui soit avant tout adapté à votre forme physique et assurez-vous de le suivre à la lettre. Comme on peut voir, eh bien, il manque le E. Donc, si je clique sur le mot, eh bien, comme tu peux voir, Google, une fois de plus, va corriger ce mot à notre place. Donc, comme tu peux voir, on n'a absolument rien à faire. Google fait le boulot pour nous. Une fois de plus, là, nous avons encore un mot. Je clique, je corrige. Je clique, je corrige. Je clique et je corrige. Comme tu peux voir, c'est facile, c'est rapide. Et c'est 100% gratuit. En quelques clics, on peut corriger les fautes d'orthographe. C'est vraiment super. Et en plus de ça, eh bien, il y a aussi des sites qui sont des sites correcteurs d'orthographe. Donc, si je vais, par exemple, sur Google et je tape correcteur orthographe, voilà, eh bien, comme tu peux voir, nous avons toute une armada de sites qui proposent ce service. Donc, si je clique, par exemple, sur le premier, et que, par exemple, eh bien, je retourne ici et que je récupère ce texte, alors je vais exprès faire des fautes d'orthographe. Donc là, je vais enlever le S, par exemple. Là, je vais enlever le I. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le R. Voilà. Là, donc, nous avons 3 ou 4 fautes d'orthographe. Donc, je récupère le texte. Je retourne ici. Je mets le texte ici, comme ça. Je clique sur « Vérifier ». Et là, comme tu peux voir, eh bien, le site a tout simplement détecté les fautes d'orthographe. Et tout ce que j'ai à faire, c'est mettre la souris, cliquer dessus sur le mot. Et là, comme tu peux voir, il va proposer de corriger les mots. Donc, je clique. Là, comme tu peux voir, il propose plusieurs options. Donc, je clique sur « Forme ». Je clique ici « Suivre ». Et voilà, comme tu peux voir, c'est magique. En quelques secondes, eh bien, j'ai corrigé les fautes d'orthographe. Donc, comme tu peux voir, en quelques clics, tu peux corriger des fautes d'orthographe, même si ta grammaire est nulle. Et tu vas pouvoir gagner de l'argent en faisant ça. Eh bien, comme tu peux voir, c'est vraiment très simple. Alors maintenant, je vais te montrer comment tu peux vendre ces services et ensuite, je vais te dévoiler une tactique simple mais efficace pour décupler le potentiel de cette méthode afin de gagner 3-4 fois plus d'argent
Alors ça va être en deux petites étapes, donc surtout reste bien attentif ces prochaines minutes, car c'est vraiment très important. Alors étape numéro 1, eh bien tu vas aller sur un site qui s'appelle malt.fr. Alors en simple, eh bien Malt est une plateforme destinée à aider les freelancers à trouver des missions qui correspondent à leur profil. Donc un petit peu comme par exemple eh bien Fiverr.com, sauf que la langue principale du site, c'est le français. Ce qui veut dire que la grande majorité des personnes qui viennent sur ce site sont des francophones. Et sur ce site, eh bien, tu peux trouver quasiment n'importe quel type de microservice, que ce soit la traduction, correction de texte, design graphique, du code pour créer des sites, etc., etc. Donc voilà, donc tu peux vraiment trouver absolument n'importe quoi sur ce site. Il y a absolument tout. Et une chose très importante, eh bien, c'est que contrairement à l'autre site que je t'ai montré tout à l'heure, eh bien, ce site est 100% fiable. Si on va par exemple sur Trustpilot, eh bien, tu peux voir que ce site a une très bonne note, 4.3 sur 5. Comme tu peux voir, les avis sont vraiment très positifs pour ce site. Donc, ce site est 100% legit, tu n'as absolument pas à t'inquiéter, ce site n'est pas du tout une arnaque. Et si on va maintenant sur un autre site qui s'appelle SimilarWeb, alors SimilarWeb, eh bien, c'est tout simplement une plateforme pour mesurer le trafic d'un site internet. Et là, on peut voir que sur malt.com, eh bien, il y a tous les mois plus d'un million de visiteurs. Donc, chaque mois, eh bien, ce site a plus d'un million de visiteurs, ce qui est tout simplement gigantesque. Et là, si on descend en bas et on regarde ici à droite, eh bien, on peut voir que les principaux pays, c'est-à-dire la grande majorité des visiteurs de ce site, à 84%, sont des Français. Ensuite, ce sont des gens du Canada. Et ensuite, Espagne, Suisse, etc. Voilà, donc comme tu peux voir, comme je l'ai dit, eh bien, la grosse majorité des visiteurs sur ce site sont des francophones. Malgré que le site soit en français, mais propose aussi d'autres langues, comme tu peux voir ici. Mais la langue principale de ce site, eh bien, c'est le français. Ce qui fait, eh bien, du coup, de ce site une source gigantesque de prospects potentiels. Il y a ici un océan de clients potentiels pour gagner beaucoup d'argent. Alors maintenant, si je tape ici dans la barre de recherche orthographe, voilà, et ensuite, bon, alors lieu de la mission, on s'en fout, je clique sur trouver un freelancer, eh bien là, on peut voir qu'il y a des freelancers qui proposent ce service, correctrice en ligne, orthographe, syntaxe, etc., etc. Donc voilà, donc comme tu peux voir, eh bien, tous ces gens proposent ce service, c'est-à-dire corriger des fautes d'orthographe. Et là, on peut voir que cette personne propose 125 euros par jour, 160 euros par jour, 130 euros par jour, 250 euros par jour, etc. Alors là, on peut voir ici à gauche qu'il y a aussi un filtre qui permet de filtrer, par exemple, par niveau d'expérience. Alors, si je clique ici, 0 à 2 ans, donc ce serait, par exemple, ton cas, vu que tu as entre 0 et 2 ans d'expérience. Et là, on peut voir que malgré tout, eh bien, les personnes proposent quand même ce service à plus de 100 euros, 150 euros par jour, 160 euros par jour, etc., etc. Donc là, comme on peut voir, eh bien, sur ce site, les personnes proposent leur service à la journée. Donc du coup, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'il te suffit d'un seul client pour déjà te faire 100 euros, 150 euros, 200 euros par jour. Donc du coup, tout ce que tu as à faire, bien évidemment, c'est créer un compte vendeur, un compte freelancer. Et ensuite, tu crées ton profil et tu commences à proposer ton service. Voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 1 pour gagner déjà entre 100 et 200 euros par jour avec un seul client. Ensuite, nous avons la deuxième étape pour gagner encore plus d'argent. Et c'est tout simplement s'inscrire en parallèle sur un autre site similaire. Donc ce n'est pas à la place de Malt, mais ça va être en plus pour gagner encore plus d'argent. Alors tu vas me dire, oui, mais du coup, si je suis pris la journée avec un client, eh bien comment je pourrais en parallèle faire autre chose? Eh bien oui, tu peux le faire, tout simplement parce que les tâches que tu vas accomplir sur ce site, tu les feras de chez toi. Tu seras chez toi à la maison et du coup, eh bien, tu pourras gérer ton temps selon ce qui te convient le mieux. C'est-à-dire, si tu as, par exemple, donné ta journée à un client ici, eh bien, ça ne veut pas dire que tu as une demi-heure à droite, une demi-heure à gauche, une petite heure ici, une petite heure là, pour faire d'autres choses en parallèle. Rien ne t'empêche de le faire, c'est tout à fait possible. Alors, pour la deuxième étape, eh bien, c'est vraiment très simple. Nous allons y aller, par exemple, sur 5euros.com. Alors, contrairement à malt.fr, eh bien, sur ce site, tu vas proposer des services moins chers, 5, 10 euros, 15, 20 euros, mais tu vas le faire à la masse, c'est-à-dire tu n'auras pas un seul client par jour, mais tu en auras 2, 3, 4, voire 10 par jour. Au lieu d'avoir un seul client qui paye, par exemple, 150 euros, eh bien, tu vas pouvoir en avoir 10 qui payent 10 euros chacun, sauf que les tâches seront beaucoup plus rapides à accomplir, bien évidemment.
Alors, une fois de plus, si dans la barre de recherche, je tape ici orthographe et que je clique sur trouver, eh bien on peut voir que là, une fois de plus, nous avons des personnes qui proposent le même service, c'est-à-dire ils vont corriger des fautes d'orthographe. Donc si je clique par exemple sur ce profil, eh bien là on peut voir que la personne propose un service basique à 5€ et qu'il y a aussi un service recommandé à 20€. Et là, si je descends tout en bas, eh bien on peut voir qu'il y a plusieurs plans, plusieurs forfaits. Donc on peut voir ici que par exemple, un microservice de base jusqu'à 2000 mots, c'est 5€. Et ensuite nous avons les options supplémentaires, donc au-delà de 2000 mots, eh bien c'est 5€ en plus. Si c'est plus de 4000 mots, eh bien c'est 15€ supplémentaires, donc 15 plus 5 ça fait 20, etc. etc. Donc, si on retourne ici, eh bien on peut voir ici que par exemple la personne a eu un total de ventes de 462. Donc la personne a eu 462 clients. Et que donc je vais là par exemple sortir la calculatrice. Et on va faire un petit calcul approximatif, car bien évidemment je ne peux pas savoir quel forfait, quel plan les gens ont pris, que ce soit 5, 10 ou 15, 20€, je ne peux pas savoir. Donc je vais faire un truc en moyenne. Donc si je fais par exemple 462 multiplié, on va dire, par 10, eh bien, ça fait 4620€. Et là, on peut voir que le profil a été créé en mai 2021. Donc, le profil a seulement un an. Alors, tu vas me dire, oui, mais 4620€ pour un an, eh bien, c'est pas grand-chose. Eh bien, en effet, ce n'est pas grand-chose, mais ça reste quand même de l'argent. Et si on combine ce site avec d'autres sites, donc, comme je te l'ai montré, malte.fr plus 5€.com, et bien évidemment, rien ne t'empêche de répéter le processus sur d'autres sites comme par exemple Fiverr.com. Donc si je vais ici sur Fiverr.com, eh bien tu peux répéter le processus, c'est-à-dire créer un profil et vendre sur Fiverr le même service. Donc du coup, eh bien tu auras à la fois droit à la source de trafic de Malte, de 5€.com et de Fiverr. Et ces trois sites combinés, eh bien ça va te donner un potentiel absolument gigantesque. Le tout, c'est de créer un profil vendeur déjà optimisé, ça c'est important. Donc optimiser ton titre, optimiser ton profil, optimiser ta description. Donc là, comme on peut voir, il y a un texte qui est clair, un titre. Le titre du profil est vraiment clair. Il y a ici une description très descriptive. Et bien évidemment, tu pourras aussi créer plusieurs forfaits, plusieurs options. Ce qui va te permettre de gagner encore plus d'argent. Donc comme je l'ai dit, eh bien, ce qui est important, c'est de créer un profil vendeur optimisé. Ensuite, de proposer des services à prix compétitif. Et bien évidemment, ce qui est le plus important, eh bien, c'est de faire un bon travail, un travail de qualité, pour ensuite pouvoir recevoir un maximum d'avis positifs. Car plus tu auras d'avis positifs, et plus ton profil sera visible et mis en avant par rapport à la concurrence. Donc si je retourne ici en arrière, eh bien, comme cette personne fait un très bon travail, malgré que son profil est très récent, eh bien, elle est en première position. Et ça, c'est très important. Il faut que ton profil soit optimisé et il faut que tu fasses un travail propre, un travail de qualité pour avoir un maximum d'avis positifs. Alors bien évidemment, tu ne vas pas gagner de grosses sommes dès le premier jour car tu devras d'abord eh bien, faire tes preuves. Au début, tu auras un ou deux clients par jour, mais petit à petit, si tes clients sont satisfaits, tu vas commencer à accumuler donc les avis positifs. Ton profil sera de plus en plus visible, donc de plus en plus en avant dans les résultats. Et tu auras de plus en plus de clients. Et voilà, maintenant tout ce qu'il te reste à faire, eh bien, c'est tout simplement passer à l'action sans plus attendre. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce en l'air pour me faire plaisir. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche immédiatement pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai. Et bien évidemment, si tu as des questions, des suggestions, surtout n'hésite pas, laisse en commentaire. Je lirai et je répondrai dès que je pourrai. Voilà, donc sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.